J'aimerais enlever la porte du garage. D'accord. Et mettre une baie vitrée. Et l'idée, ce serait de pouvoir faire une annexe par là. Avec l'avantage qu'on aurait si on pouvait faire quelque chose ici, ce serait de faire un avant-toit et puis de pouvoir mettre une garage à un apprenti. Que j'ai besoin aussi par rapport à vous qui êtes architecte, c'est que c'est de la fermette. Et que je ne sais pas du tout comment. Alors, c'est possible. Là, ça va être un peu les limites de l'exercice. C'est que nous, on vous aide pour tout ce qui est aspect extérieur, réglementation. Et ouais. Après, pour tout ce structure, qui est technique et structure, ouais. On ne peut pas s'engager. Et c'est pas trop... Là, il faut que vous voyez avec un charpentier pour qu'il vous reprenne les fermettes et qu'il vous fasse des fermettes tronquées. Okay. Suite à notre entretien, moi, je vais produire ce type de fiche. Pour l'instant, vous aviez 5 mètres par rapport à la voie. Mmh. C'est une réglementation qui peut sembler arbitraire, mais c'est généralement pour que les gens puissent garer les voitures. Et là, donc, ça va être assoupli à 3 mètres. Même si on passe à 3 mètres par rapport à la limite, entre la voie et ce trait-là, vous n'aurez pas le droit d'implanter votre bâtiment. Mmh. Et ça veut dire qu'entre l'angle de la maison, vous avez entre 2,50 m et 3 mètres. Les appentis, ce n'est pas forcément la solution qui est la plus recommandée. On a plus volontiers l'habitude au niveau des proportions d'avoir quelque chose qui vienne compléter la maison que la solution en appentis où on a quelque chose qui n'est pas toujours très gracieux. Après, on voit quelquefois des bouts de charpente. Ouais, c'est pas très... Ce qui vous sera demandé, c'est d'avoir la même pente de toit que la maison. Et selon d'où vous partez, effectivement, il va falloir que vous vous arrêtiez avant les deux petites... avant des choses comme ça. Et il faut que votre appentis soit... Voilà, à peu près comme ça. À peu près comme ça. Pardon. Et puis, je vous réexpliquerai aussi donc, les conditions au niveau du recours à l'architecte. Oui, alors très volontiers, oui. Que vous, on ne peut pas passer par vous. Non, moi j'ai une mission de conseil gratuite et donc je n'ai pas le droit de faire de maîtrise d'œuvre et d'accompagnement payant dans le département dans lequel j'exerce. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.